Tu as vu notre cadeau d'anniversaire pour Mélissa? Une merveilleuse écharpe en papier. Elle est très à la mode. Elle est magnifique. Et toi, Mirou, que lui offres-tu cette année? Tu as toujours de si bonnes idées de cadeaux. Je pourrais lui préparer un superbe pique-nique. Oh oui, oh, oui. Non, je l'ai fait l'année dernière. Dans ce cas, je pourrais lui offrir une jolie couverture. Non, regarde, tu en as déjà offert une à Caracol. Ah, c'est vrai. Elles sont toujours très réussies, tes photographies, Mirou. Mais c'est ça. Je vais lui offrir une photo. Ou plutôt, je vais faire le portrait de tous nos amis de Miniville. Et je vais les présenter dans un joli album. Et je le lui offrirai cet après-midi pendant la fête. Allons-y, les amis. Commençons par votre portrait. Oh, comme ça, dans ces vieux vêtements. Mais tu n'y penses pas. Attends que nous ayons mis nos magnifiques nouvelles robes. Oh, oh, bonjour, oui, oui. Oh, bonjour, Zim. Bonjour, Mirou. On va sur le circuit pour le départ de la grande course. Oh, laisse-moi d'abord te photographier. C'est pour l'anniversaire de Mélissa. D'accord. C'est parfait. On se retrouve à l'anniversaire de Mélissa. Hein? Je ne vois pas de oui-oui sur cette photo. Oh. Ah, ça alors, je n'ai pas enlevé le capuchon. Il faudra faire une autre photo de oui-oui. Mais d'abord, allons voir s'il y a du monde au salon de thé. Ça sera très bien comme ça, monsieur Culbuto. Il faut que j'enlève le capuchon cette fois. Prends bien ma gelée sous le meilleur angle. Oh, oh, oh là, oh, oh, sapristi. Oh là, oh, 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 oh. Alors, vous êtes vraiment naturel, monsieur Culbuto. Oh oui, magnifique. Oh, 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 mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Scarabée, un sourire pour la photo. Oh, désolé, monsieur Scarabée. Oh, le coucou, le temps est passé très vite. Il faut que je me dépêche ou je vais être en retard pour Mélissa. Attention, monsieur le gendarme, vous êtes prêt? Tout à fait, Mirou. Les dentiers mécaniques. Ils adorent qu'on les photographie. Une souris? Oh, où ça? Ça va faire une superbe surprise pour Mélissa. Coucou, Mirou. Oh. Tu vas venir à ma petite fête. Ça commence très bientôt. Oui, Mélissa. Bien sûr, je viens avec un petit cadeau. Oh, il me tarde de savoir ce que c'est, Mirou. Tu as toujours de si bonnes idées pour les cadeaux. Oui, à tout à l'heure. Tu me feras un double de cette photo, Mirou, et des petits tirages pour mes admirateurs. C'est parfait. Il ne me manque plus qu'un joli portrait de... Oui, oui. On ne bouge plus. À tout à l'heure, Mirou. Oui,
J'ai besoin d'une photo de toi ou le cadeau de Mélissa ne sera pas complet. Ça, ça va me faire une merveilleuse photo. Attention les pilotes, à vos marques. Tenez-vous prêts. Attendez un peu à mon signal. Partez. Tu n'as aucune chance contre ma voiture, oui, oui. On verra bien, Jumbo. Il faut le photographier quand il passe au prochain tour. Attention, Jumbo, vous avez pris le virage trop vite. Ils font la course en ville, on n'a jamais vu ça. C'est épouvantable. Un album sur les amis de Miniville ne veut rien dire sans la photo de Oui Oui. Regardez, ils arrivent. Ils vont vite. Oh, toujours pas de photo de Oui Oui. La fête a déjà commencé, Mirou. Oh, oh non. Cette fois, c'est ma dernière chance de réussir une photo de Oui Oui. Mirou, tu veux une photo du vainqueur de la course? Jumbo, j'ai déjà une photo de vous. Oh, je l'ai manqué! Je suis sûr d'être avant lui sur la ligne d'arrivée. Oh, la ligne d'arrivée! C'est l'endroit idéal pour prendre une photo. Allez, petite voiture, finissons la course sur le circuit! Dégage la piste, Oui Oui. Ils vont arriver. Qui a gagné? Oh, je pense que c'est moi. Impossible à dire, vous êtes passés tous les deux si vite. Moi, je sais qui a gagné. Comment ça? Regardez, c'est Oui Oui. J'ai fait la photo. Allons vite à l'anniversaire de Mélissa maintenant. Oh non! Que se passe-t-il, Mirou? Je croyais que ta photo était la dernière qui manquait, mais regarde, il y a une page encore vide. J'ai dû oublier quelqu'un. Mais alors qui est-ce? Ah, te voilà, Mirou. On n'attendait plus que toi. Oh, toi, tu offres toujours un cadeau formidable. Hélas, pas cette fois, Souriceau. Ah, un album de photos. Je voulais qu'il contienne les photographies de tous nos amis de Miniville. Et puis j'ai oublié quelqu'un. Et je ne sais même pas qui c'est. Eh ben, moi, je sais qui tu as oublié, Mirou. C'est toi. Oh. Ah oui. Ah, c'est trop bête. Oh, merci, Mirou. Ah, là, il est complet. Tu vois, Zim,
Le jour du grand rangement, c'est bien la seule fête du pays des jouets que je n'apprécie pas beaucoup. Mais si on termine vite, on pourra jouer au football ensemble. Bonjour, oui, oui. Potiron, c'est le jour du grand rangement, tu n'es pas chez toi en train de nettoyer? Ma maison est déjà toute propre. Tu as déjà fini à cette heure-ci? Comment as-tu fait ça? Eh bien, en fait, j'ai été un peu aidé par ceci. Des saucisses. Hein, non, pas du tout. Non, pas du tout, des saucisses. Hein, c'était... Ah oui, non, voilà, c'est ça. La poudre magique a tout faire très vite. En voudrais-tu une petite pincée? Non. Ça t'aiderait à finir très vite le nettoyage et le rangement. Non, je ne crois pas. Ah, dans ce cas... C'est vraiment incroyable. Je te laisse le flacon au cas où tu aurais besoin d'une petite pincée supplémentaire. Bonjour, Potiron. Monsieur le gendarme. Bonjour, oui, oui. J'ai l'impression que tu fais ton grand nettoyage à toute allure. Jamais vu un coup de balai aussi rapide. C'est vrai. C'est grâce à cette poudre magique. Potiron m'en a donné. Elle fait tout faire beaucoup plus vite. Ça ne me ferait pas de mal d'en essayer un peu. Je n'ai même pas commencé mon grand rangement, moi. Go. Oh, mon pantalon. Ça lui fait un effet très surprenant. Ça alors? Oh là, mais qu'est-ce qui m'arrive? La grande montée de la colline? Il faut l'aider à s'arrêter. Vite, taxi, rattrapons ce pantalon. Monsieur le gendarme, vous ne pouvez pas ralentir? Impossible! Oui, mon pantalon est devenu incontrôlable! Attention devant! Un petit glaçage et tout sera parfait pour commencer la fête du grand rangement. Oul, oul. Monsieur Culbuto, attention! Désolé, je ne peux pas m'arrêter. Mais où va-t-il maintenant? Le glaçage, c'était pour les gâteaux, pas pour moi. Je suis désolée, mais il faut que je me débarrasse de vous. C'était agréable de vous avoir à la maison, mais aujourd'hui, nous sommes le jour du grand rangement. Il faut que je range un peu. Oh, toi, je pourrais te garder. Oh, et toi, tu peux encore servir. Oh, ce chapeau ne m'est jamais vraiment allé. Attention. Il vous va très bien, monsieur le gendarme. Vous avez vu monsieur le gendarme? Oui, je crois qu'il est parti par là. Ou alors par là. Il paraissait très pressé. Tindri, tindla. Le jour du grand rangement, c'est ma fête préférée dans l'année. Tous les jours la fête du grand rangement quand tu es là, Whiz. Et mon nouvel aspirateur turbomatique va nous permettre de faire de ce jour de fête le jour le plus net. Moi, je trouve que ces clés sont très bien entassées par terre. Tu tiens vraiment à ce que je les range? Oh oui, Lindy. Tu te souviens, un vrai mécanicien ne peut pas travailler bien si son outillage n'est pas rangé à sa place. Exactement, Whiz. Oh, j'ai mal aux jambes. Tout ça n'est plus très drôle, vraiment. J'ai presque fini. Tu as entendu, Whiz? Laisse-moi me concentrer. Je ne peux pas m'arrêter. Et
voilà le travail. Il va falloir que je recommence tout mon rangement. Il faut arrêter, monsieur le gendarme. Son pantalon l'oblige à courir à cause de la poudre magique. Ah oui, et il est passé comme une tornade au garage au moment où je terminais mon aspirateur turbomatique. Lindy, peux-tu monter là-haut, voir où il est allé? Oui, j'y vole. Il arrive juste sur le circuit. Oh, ça tourne. Ça retourne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter, Oui-Oui? Je crois que j'ai un plan à la Oui-Oui. Au secours! Oh non, ça retourne encore! Oh non, le pont! Oh, je commence à être vraiment très fatigué maintenant. Tenez bon, monsieur le gendarme! Allons-y, Whiz. Je n'en peux plus. Fais vite, Oui-Oui. Il va repasser dans quelques secondes. Vite. Est-ce que tout va bien, monsieur le gendarme? Presque à plat. Merci, Oui-Oui. Oh, ce n'est vraiment pas une fête du grand rangement comme les autres. Oh, je ne me sens pas tout à fait présentable sans mon pantalon. Pas de souci, monsieur gendarme. On va le rattraper, votre pantalon. Si seulement on trouvait le moyen d'enlever toute cette poudre magique qui est dessus. Whiz, j'ai trouvé. C'est toi qui as la solution. Comment ça, c'est moi? Whiz. Oh, mon turbo-aspirateur. La voiture est bien réglée et prête à foncer. Il n'y a plus qu'à retrouver le pantalon. Oh, le voilà qui passe. Il va encore plus vite quand je ne suis pas dedans. Allons-y, ma petite voiture. Oups, attention, je passe. Merci beaucoup, Oui-Oui. Il est comme neuf à présent. Je suis impeccable pour la fête du grand rangement. Oui, mais nous, comme nous avons pourchassé un pantalon, nous n'avons pas pu terminer notre grand nettoyage. Pas de souci, nous allons ranger à toute allure. Nous avons déjà l'aspirateur turbomatique. Ajoutons une pincée de la poudre magique à tout faire très vite. Beaucoup aidé. Bien attrapé, Oui-Oui. Bien joué. Il faudra ranger très soigneusement ce flacon, Potiron. Oh, ah oui, je vais le ranger sur ma plus haute étagère. Je crois qu'il est l'heure de faire notre partie de football, n'est-ce pas, Zim? Vous jouez avec nous, monsieur le gendarme? Avec le plus grand plaisir. Oh, oh, hey. Il me reste peut-être un peu de poudre magique sur mon pantalon après tout. Attendez-moi, j'arrive. Oh,
personne ici. Surprise! Bonjour, Oui, bonjour. Bonjour les quillons. Vous arrivez toujours à me surprendre avec ce tour. Bonjour, Oui. Et bonjour, Zim. Bonjour, Madame la Quille. Je n'attendais pas votre visite aujourd'hui. Les enfants ont voulu venir te montrer ça, Oui. Regarde, c'est notre super grande collection de coquillages. On les collectionne depuis des années et des années. Et des années. Waouh. Montrez-moi ça. Alors, c'est ça? Oui. C'est une très belle collection. Ça vous dirait d'aller tous à la plage ramasser plein de coquillages? Oh! On peut, maman? Bien sûr, nous pouvons, mes petits quillons. Oui! Coquillages, on va chercher des coquillages. Coquillages, on va chercher des coquillages. Bonjour, les amis. Bonjour. Où allez-vous comme ça? Coquillages, on va chercher des coquillages. Et nous, nous aidons Étincelle et Barbotine à décorer leur villa. Nous voulons un toit étincelant. Comme ça, on nous verra à des kilomètres. Sans me vanter, je suis un expert en décoration. Sirène, il faut aider les sirènes. C'est vrai, on est là pour ça. Sirène, il faut aider le sirène. Au revoir. Amusez-vous bien. Alors, comment va-t-on décorer votre maison? J'ai une peinture d'un joli bleu, celui de ma voiture de sport. Je ne préférerais pas. Toutes les deux, nous avons ramassé des perles, des coquillages et des jolis cailloux au fond de la mer. Et si l'on en décorait notre toit, ça ferait une maison idéale pour des sirènes. Pas de problème, un jeu d'enfant pour un costaud. Jumbo le portera aussi. C'est ici. Est-ce que c'est un bon endroit pour ramasser des coquillages, Oui. Oh oui, il suffit de regarder autour de soi. Et voilà. Un coquillage. Oh, j'adore les coquillages. Allez, cherchez un peu vous-même. J'en ai un. Oh, moi aussi. J'en ai trouvé un rose. Le mien, il brille. On dirait que tu as un nouveau copain, Zim. Et voilà. Et voilà. On a fini. Oh. Non, pas tout à fait, Sourisseau. Il reste encore un endroit vide au milieu, là. Attends, ce coquillage-là ira très bien. Il est juste un petit peu lourd. Oh, ça c'est un boulot pour un vrai costaud. Oh mince, il s'est décollé. Essaie d'appuyer plus fort. Voilà. Oh, d'accord. Alors là, il va falloir toute la force d'un éléphant super costaud. Petite bêtise. Oh, notre toit.
je crois que je n'ai pas senti ma force. Alors, combien de coquillages dans votre collection maintenant? Moi, je ne sais pas, Oui-Oui. On n'a plus assez de doigts pour les compter. J'en ai tout plein comme ça. C'est sûrement la plus extraordinaire collection du monde. Oh. Bonjour, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Allô, c'est Oui-Oui. Hein? Oh non, j'arrive tout de suite. Il y a un problème à la maison des sirènes. Il faut que j'aille les aider. Oh, j'espère que ce n'est pas trop grave. Je reviens très vite. Ne vous éloignez pas trop pour que je puisse vous retrouver facilement. Oh, quelle catastrophe! On ne sait plus quoi faire, Oui-Oui. Si moi je n'y arrive pas, qui va le soulever? Pas de soucis, Jumbo. Je crois que j'ai un plan à la Oui-Oui. En route, Zim, à l'aéroport. J'en ai trouvé un autre. Alors là, ça fait encore plus. Il y en a tout plein par là-bas. Et ici aussi. Et là. Ne vous éloignez pas trop, mes petits quillons. Oh là là. Réparer le toit avant la nuit? J'en suis persuadée. Oh, le voilà! J'en vois le crochet! Avance un peu, Oui-Oui. Un petit peu plus à droite. Tu y es, Oui-Oui. Bravo. Bravo, Oui-Oui. Allô? Oui-Oui, nous avons besoin de toi. On est allé trop loin sur la plage et la marée est montée et on ne peut plus revenir. J'arrive tout de suite. Je survole le rivage. La plage est vraiment très longue, Oui-Oui. Comment vas-tu faire pour nous retrouver? Pas de souci, j'ai une idée. On va avoir besoin des coquillages des quillons. Oh. Oui, je les ai vus, Zim. Ils ont marqué l'endroit avec un grand X tout en coquillage. Ici, on est ici. Venez vite, les amis, montez! Tout le monde à bord, faut s'envoler! Oh, beau sauvetage, Oui-Oui. Désolée de nous être éloignés. C'est triste d'avoir dû laisser nos coquillages. Notre belle collection, elle est perdue. Nous n'avons pas utilisé tous nos coquillages. Vous pouvez en prendre les quillons. Des coquillages. Des coquillages. Il y en a plein. Moi j'adore les coquillages. Coquillages, coquillages, on a trouvé des coquillages. On a tout plein. Alors tu es présime. Encore plus loin, tu vas voir. Bravo, tu l'as bien attrapé. Je parie que tu n'y arriveras pas cette fois-ci.
Tu es drôlement fort, Jim. Même quand la fleur orange l'a renvoyée, tu ne t'es pas laissé avoir. Allez, viens, Jim. Potiron nous attend pour le goûter. Tu veux jouer encore un peu? Oh bon, d'accord. Mais je te lance une dernière fois, entendu? Attention, on va chercher. Ma voiture! Oh non! Mon pauvre petit taxi, et ça ne s'en va pas! C'est Whiz qui saurait arranger ça, en voiture! Bonjour, oui. Bonjour, Lindy. Est-ce que Whiz est là? J'ai raflé la portière de ma voiture, il faudrait arranger ça. Whiz n'est pas au garage. Aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Ah bon, c'est vrai? Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Un petit coup de peinture jaune et ta voiture aura l'air toute neuve. Ça ne doit pas être très facile de retrouver quelque chose par ici. Oui, je suis en train de faire un grand rangement. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis les objets jaunes. De la belle peinture jaune. Et voilà le travail. Lindy! Oh, désolée, je ne comprends pas comment cette peinture bleue s'est retrouvée dans les objets jaunes. Ne t'inquiète pas, celle-ci va tout arranger. Oh non! Oh, Lindy, essaie celle-là. Elle est vide. Et tu n'en as pas une autre? Si, je pourrais t'en commander une. Elle sera livrée la semaine prochaine. On ne peut pas laisser ma voiture comme ça pendant une semaine. Et si j'essayais avec... Tu veux dire utiliser tes pouvoirs? Oh non, Lindy, on n'a pas le droit. Whiz n'aimerait pas que tu fasses de la magie pour réparer des choses. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller voir Potiron pour lui demander de nous aider. Bonjour, mon petit oui-oui. J'ai commandé de bonnes petites brioches. Oh, je n'ai pas le temps de goûter maintenant, Potiron. Regarde un peu ma voiture. Oh, ça alors, pauvre voiture. Il me faudrait un peu de peinture jaune pour arranger ces éraflures. Est-ce que tu aurais ça, Potiron? Voyons, un petit peu de peinture jaune, tu dis? En fait, je conserve au fond de mes poches toutes sortes de choses qui pourraient servir. J'ai peut-être... Et ça ne marche pas toujours. Merci beaucoup, Zim. Cette fois, j'ai bien failli perdre mon bon vieux pinceau magique. C'est un vrai pinceau magique? Mais bien sûr. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il ne nous manque plus qu'une belle formule magique pour le faire fonctionner. Oh, pinceau magique, grand maître des couleurs, toi dont l'arc-en-ciel orne toute la nature, pour oui-oui et pour moi, restitue en douceur son jaune éclatant à son ami voiture. Waouh! Oh, merci! Et ça sera bien que du jaune, n'est-ce pas, Potiron? Mais bien sûr, ce bon vieux pinceau magique ne m'a jamais laissé tomber. Alors si le pinceau magique est bien prêt, es-tu prête, ma petite voiture? Ouais, ça a marché. Ça va, si m'arrête. Alors, que dirais-tu d'un bon petit goûter maintenant? Très bonne idée. Mais il reste encore un peu de couleur. Il n'y aurait pas quelque chose à peindre par ici? Après le goûter, on fera un tour en voiture? Avec plaisir. Une autre petite brioche. Oh, ma voiture! Qu'est-ce qui lui arrive? Regarde toutes ces taches! Le pinceau magique est devenu fou!
Vite, en voiture, Jim. Nous devons le retrouver avant qu'il ne fasse d'autres bêtises. Il faut retrouver la trace de ce vilain pinceau. Oh, la maison de Monsieur le gendarme. Oh, Monsieur Culbuto, vous n'auriez pas vu un pinceau un peu fou? Oh, désolé, oui, je n'ai pas le temps. Il faut que je trouve Monsieur le gendarme. On a recouvert tous mes pots de confiture de taches vertes et bleues. Oh, je vous en prie. Oh, mais qu'est-ce que... Oui, oui, il se passe des choses très, très bizarres par ici. Je le sais bien, Mirou. Potiron m'a donné un pinceau magique, mais ce pinceau ne fait que des bêtises. Tu as vu l'horloge de l'hôtel de ville? Et vous avez vu dans quel état sont mes enfants? Savez-vous vers où est parti ce pinceau? Il faut absolument essayer de le rattraper. Qu'est-ce qui ne va pas par ici, hein? C'est mon pinceau magique qui n'arrête pas de faire des bêtises, monsieur le gendarme. Ah, vraiment? Oh, voyez-vous ça? C'est sûrement pas aussi drôle que les gros pois qui ont recouvert ma façade. Alors, peindre des gros pois, c'est une chose, mais changer la couleur des feux pour que l'on ne sache plus s'il faut s'arrêter ou traverser, ça, ce n'est pas drôle du tout. Le voilà. Arrêtez, pinceau! Vous serez passé si vous pensez! Arrêtez au nom de la loi! Laissez, monsieur le gendarme! C'est à cause de moi si ce pinceau est en liberté! C'est à moi de le rattraper! Là! Le voilà! Il va vers le garage de Whiz! Mais où est-il passé? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, j'en ai vraiment assez de tous tes vilains tours. Allez, petite voiture. Potiron, ton pinceau magique est devenu fou et il barbouille tout en ville. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai utilisé le meilleur de ma magie pourtant. Et y a-t-il un moyen de l'arrêter? Pas la moindre idée. Mais attendez, on va chercher dans mes vieux livres de magie. Va chercher? Mais bien sûr, c'est ça l'idée. Alors tu es prêt, mon petit Zim? Va chercher. Vas-y, mon Zim, attrape-le. Allez, Zim, vas-y. Bravo, Zim, attrape-le. Allez, Zim, vas-y. Saute, Zim, saute, saute. Ah oui. Zim, viens vite ici. Tu peux rebondir ici, mon chien. Oh, bravo à toi, cher Oui-Oui, et à toi, mon petit Zim. Espérons que nous n'aurons plus d'ennuis avec cette espèce de pinceau barbouilleur. Potiron, est-ce que tu auras une formule magique pour redonner ses couleurs normales à notre ville? Et pourquoi faire de la magie? On pourrait prendre des pinceaux normaux et repeindre Miniville tous ensemble. On s'amuserait bien. Et moi, je préparerais un grand pique-nique. Oui, attention, mon Zim, c'est pour toi si tu l'attrapes. Va chercher. Oups. Miam. Et Oui-Oui arrive comme un bolide. Il dribble parmi les fleurs et se met à foncer vers le but. Et il tire. Bonjour Oui-Oui. Oh, bonjour Potiron. T'as envie de jouer au foot?
C'est le jeu préféré de mon petit Zim. Doucement, Zim. Oh, très bonne attaque. Un but à zéro pour Zim. Oh non! Regarde, il est couvert de boue. Il va falloir que je lui donne un tu sais quoi. Un tu sais quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh oui, un bain. Oh, sapristi. Oh, potiron, tu as dit le mot qu'il ne fallait pas. Zim a horreur de prendre des bains. Oh, attends un peu. Et si on essayait une formule magique? Hein? Tu es vraiment sûr, potiron? Oui, naturellement. Petit chien qui n'aime pas les bains, que par la magie, tu sois propre et gentil. Et voilà, la boue a disparu. Mais Zim a disparu. Tu as rendu Zim invisible. Oh, sapristi, oui, mais ne t'inquiète pas. Zim, où es-tu? Encore raté. Ça alors, on dirait que je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Potiron, tu es sûr que tu vas savoir le rendre visible? Oui, absolument. Mais là, je ne sais plus du tout comment. Regarde, il est là-bas. Allez, petite voiture. Désolé, oui, c'est la première fois que ça m'arrive, n'est-ce pas, écureuil? Pas d'inquiétude, on va le rattraper. Allons-y, il n'y a qu'à suivre ses traces de pattes. Voilà un sol impeccable. Oh, regarde! Des traces de pattes mouillées. Lindy, as-tu fait un tour de magie? Bah non, je te promets que non, Wiz. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Zim! Tu es là! Zim! Désolée pour les traces de pattes, Wiz! Viens, Wiz! Allons vite l'aider! Wiz! Oh, c'est vrai, le nettoyage peut attendre! Et voici, mesdemoiselles, trois de mes meilleures coupes glacées. Oh, elles sont magnifiques. Elles ont vraiment beaucoup d'allure, monsieur Culbuton. Le duo de mangue et de melon. Elle a été vite avalée. Et voici la calypso, maintenant crémeuse et délicieuse. Alors, vous avez de l'appétit. Oui, c'est vrai. C'est bien naturel, mais celle-ci, vous ne la finirez pas. C'est la frégate à trois ponts, vanille, café, chocolat. Arrêtez cette coupe frégate à trois ponts. Alors ça, c'est ce que j'appelle de la glace à emporter. Je suis drôle. Zim, qu'est-ce que tu fais? Zim, attends. Zim, où es-tu? Attends-moi. Oh, sapristi. On dirait que Wiwi a besoin de notre aide. Ouais, regarde,
invisible. Zim est invisible. Il est incroyable, ce Zim. Zim! Venez, les amis! Viens ici! Où es-tu, Zim? Attrapez-le! Allez, on va te suivre! Oh. Oui, ces traces de pattes ne sont plus du tout visibles. C'est la boue sur ses pattes qui a séché. Oh mince! Alors il peut être n'importe où. Zim, viens ici, mon chien. Il est ici, autour de nous. Vite, éparpillez-vous et essayez de l'attraper. Non, oui, oui, tu es trop drôle comme ça. Oh, ma salle. Là, il est là. Où est-il? Viens ici, Zim. Whiz, il est reparti. Oh, nous perdons notre temps, oui, oui. Comment pourrions-nous l'attraper alors que nous ne le voyons pas? Ah, oui, oui, c'est moi. J'ai retrouvé comment faire pour que Zim redevienne visible. Regarde. C'est une recette pour préparer du pain d'épices. Oui, c'est... Ah bon? Oh ben, oh, délicieux le... Ah, oh, c'est celle-là. Pour faire que Zim cesse d'être invisible. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est lui donner un bon bain. Ça suffira pour annuler la magie. Un bain? Oh, potiron, Zim déteste les bains, tu le sais bien. Oh, c'est justement pour ça qu'on a tous ces ennuis. Qu'on a tous... Ah, oui, c'est vrai, tu as raison. Quel idiot je fais. Désolé. Je ne suis donc pas très utile, n'est-ce pas? Mais si, attends. Il y a peut-être moyen de lui faire prendre un bain. Oui, mais pour ce plan à la oui-oui, il faut jouer au football. Qui veut jouer? Oh. Oh, oh, oui, oh, joli coup, monsieur Culbuto. Oh oui, c'est vrai. Moi, je ne laisse rien passer, oui-oui. Alors oui-oui, comment vas-tu faire pour que Zim se baigne, hein? Vous allez voir, monsieur le gendarme, Zim adore jouer au football. Il va avoir envie de se joindre à nous. Regardez! Oui, c'est Zim. Attention, à moi le ballon. Oh, ça alors, je l'ai envoyé dans le bassin. Allez, mon petit Zim, va chercher. Mon Zim. Moi aussi, je suis contente de te voir. Maintenant, on va vraiment faire une partie de football tous ensemble. Non, Zim, tu peux pas rester là. Mon petit Zim. Vous êtes vraiment
Oh, ce serait merveilleux. Et chacun à Miniville pourrait venir danser la danse qu'il aime le mieux. Oh, une grande fête de la danse. Regardez comment je danse. Oui, oui. Et toi, quelle est ta danse préférée? En fait, je n'en sais rien du tout, Mirou. Oh, quel éléphant élégant! Bonjour, Jumbo! Bonjour, oui, oui, et Mirou. Oh, écoutez-moi ça. Oh, pardon, je ne sens pas ma force. Désolé pour ce bruit. Il n'y a pas de mal, nous sommes venus vous inviter à notre grande fête de la danse. Vous aimez bien danser, Monsieur Jumbo? Oh, bien sûr, comme tout le monde. Mets-nous un peu de musique, Mirou. Oh, quelque chose de plus rythmé. Oh, ça, c'est beaucoup mieux. Allez, on danse à cloche-pied. Oh, oh, oh. Oui. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. C'est la danse que tu préfères, oui, oui. Je l'aime bien, mais elle est plutôt faite pour un éléphant. Oh, je déclenche aussi le klaxon en tapant du pied. De la danse, c'est merveilleux. Je ferai la danse folle des fées. Oh, Lindy, nous avons encore à enlever toutes ces bosses à cet enjoliveur. Bon, finissons ça et après partons vite à la fête. Ça me paraît tout à fait possible. Moi aussi, j'aime bien la danse. La danse des robots, Rise. Rise. Quelle danse aimes-tu, oui, oui? Celle des fées ou des robots? J'ai l'impression qu'aucune des deux n'est faite pour moi. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai bien ma danse. Mais tout va bien. Oh, rien de cassé. Oh, pas de mal. Finissez votre framboiseillade, les enfants. Et nous irons à la fête de la danse. C'est fini. J'adore la framboiseillade. Oh, je viendrai avec plaisir, oui, oui. Je suis un assez bon danseur, tu sais. Oh, pardon, vraiment désolé, monsieur Scarabée. Dès que j'entends jouer de la guitare, voilà, je pars. On vous retrouve à la fête, monsieur Culbuto. Bien sûr, à tout à l'heure, Mirou. Jolie musique, les quillons. Pour la musique, c'est prêt, oui, oui. As-tu décidé quelle danse tu feras pendant la fête? Pas encore, Mirou. Tous les amis ont choisi une danse particulière, sauf moi. Toi, tu vas danser comme ça.
Et les quillons vont sûrement sauter en l'air comme ça. Oui, oui. Monsieur Jumbo tapera du pied. Lindy et Wiz auront chacun une danse bien particulière. Youhou. Et Monsieur Culbuto se balancera comme ça. Waouh, tu sais faire toutes les danses. Oui, mais aucune d'entre elles n'est une vraie danse à la oui-oui. Il faut peut-être essayer d'autres musiques. Que dis-tu de celle-ci? Mmh. Ou de celle-là? Mmh. Ou celle-ci? Oh, elle est très bonne, hein. Et celle-là? Doucement, Mirou. Oh. Oh non, elle ne marche plus. Pas d'inquiétude, Mirou. Il faut aller la montrer à Wiz. Wiz, on a un problème. La machine à karaoké est en panne. Je vais la regarder, oui. Pardon? J'ai dit je vais la... Oh, excusez-moi un instant. Lindy! Désolée, Wiz, je dois enlever toutes ces bosses à cet enjoliveur. Laisse-moi juste une minute. Cette machine a un circuit endommagé. Je peux le remplacer pour la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais notre grande fête de la danse va commencer. Je veux danser. Faire quelque chose, sinon les amis seront tellement déçus. Oh, venez tous sur la place. Il a dû trouver un plan à la oui-oui. Formidable. Lindy, prends l'enjoliveur. Machine à karaoké est en panne. Oh. Mais il y a une bonne nouvelle. La fête de la danse aura lieu quand même. Mais oui, il nous faut de la musique pour danser. C'est vrai, c'est pourquoi nous avons formé le grand orchestre de Miniville. Et 1 et 2 et 1 2 3 4. Oh, yeah.